Bonjour, bienvenue dans la collection Eros. Voici Eros 2, format 1 mètre par 85 cm. Nous sommes à Abidjan, le 7 mars 2019. Eros 2, c'est une réponse possible à la question à quoi sert l'érotisme dans ce monde où on ne sait plus très bien faire la différence entre le porno en fait et l'érotisme. Par exemple, je vais citer les pubs pour une glace. On ne sait plus trop si on mange une glace ou si on fait autre chose. Les clips, je trouve que les clips sont parfois limite porno et ne suggèrent absolument rien du tout. Ne font que faire un état de constat que la société est une consommation de porno. C'est vraiment un symbole pour moi, les clips. Ensuite, il y a aussi un contexte assez ambigu. On met les pompiers nus dans des calendriers et les femmes se laissent pousser les poils et prennent des photos. C'est assez curieux tout ça. Donc je voulais rappeler un peu la définition de l'érotisme qui est pour moi vraiment une autocensure utile, une censure qui permet la suggestion et qui permet en fait à l'autre de se projeter complètement dans un désir pour que le désir atteigne ce niveau, en fait, ce niveau symbolisé par tous ces motifs et ces répétitions en fait de matière et de couleur, c'est-à-dire l'orgasme en fait. Évidemment que l'orgasme est présent dans ce tableau et comme un état de conscience pardon, supérieur ou différent qui nous permet de voir l'instant T, l'instant présent et nous rappeler que nous sommes des êtres jouissants et désirants en fait. Et lorsqu'on arrive à gérer nos pulsions, en fait, on arrive à un état d'amour, en fait. Je ne parle pas d'amour fleur bleue, mais d'amour qui peut faire avancer le monde et les choses. Voilà un petit peu ce qu'il y a dans cette œuvre et dans ce tableau. C'était vraiment un appel à l'amour et un petit rappel aussi de la question un petit peu encore d'actualité. On voit bien l'ambiguïté dans ce tableau, de la position de l'homme et de la femme. J'ai vraiment complètement intégré cette femme dans la masse en fait de l'homme par rapport au sujet du consentement en fait. C'est vraiment un rappel. L'érotisme aussi c'est un consentement qui est hyper important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne bien sûr. Et si vous souhaitez acquérir cette œuvre ou une œuvre de la collection, n'hésitez pas à cliquer sur le lien rejoindre les contacts privés et vous inscrire à mes mails hebdomadaires. Voilà, j'espère que j'ai pas trop bafouillé, que j'ai mis moins de E dans cette vidéo. La disparition, ça serait pas mal. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour Eros 3. Au revoir!